ce gouvernement vient prendre et a bien dirigé, a bien pris le contrôle. Donc c'est important. Deuxième question, rapide, guise de rappel. Quel est le texte biblique qui nous révèle la structure de l'organigramme satanique du gouvernement de l'Antichrist? Gouvernement, évidemment, c'est organigramme. Quel texte dans la Bible, c'est un bon texte qui montre comment le gouvernement des ténèbres, le gouvernement phosphore noir, gouvernement antichrist, qui texte qui montre nous comment organiser, comprendre ou qu'est-ce qui réfléchit et qui texte biblique a dit même si tu as réveillé ou endormi comme chrétien évangélique et bon texte biblique qui présenté et structure qui va nous idée sur comment organiser au deuxième ciel. Dans la sphère spirituelle des démons. Est-ce que vous probablement que vous êtes sur YouTube, sur Facebook, sur la plateforme, peut-être sur la radio, ou la téléphone, mais il y a un texte biblique que vous stipulez toujours. Et c'est l'apôtre Paul qui se souvient que l'apôtre Paul est le texte. Est-ce que vous avez répondu? Oui. Est-ce que c'est Acte 17? Acte texte? 17. Acte 17? Non, ce n'est pas Acte 17. Je crois que c'est Éphésiens 6. Non. C'est Éphésiens 6. Verset chapitre 6. C'est le verset 18, je crois. Verset 18 ou 17. Voilà. Je ne vais pas faire pas dire. Donc, bon, on va mettre 2000 points. C'est 10 à 18. Donc, l'Église encore, le texte même, c'est le texte aussi qui explique le combat spirituel. Et le texte qui explique le combat spirituel. Sous le l'Église va être en pour Éphésiens 6, verset 10 à 18. Sous Éphésiens 6, vous mettez 2000 points. Donc, c'est dans le texte que l'apôtre Paul l'explique, il fait révéler, nous comprendre, fait nous comprendre et structure et organigramme. Répondez par vrai ou faux. Assurez que quand on dit vrai ou faux, que dans Amon, quand c'est vrai ou bien faux, ce n'est pas juste pour trouver vrai ou faux, mais pour certains, c'est ça. Les dominations se trouvent, à dire dans l'organigramme, dans le récit au classé, après les esprits méchants dans le texte de Éphésiens 6, verset 10 à 18. Donc, dans le classement, dans la ligne, dans le monde des ténèbres, et les dominations sont venues après les esprits méchants. Vrai ou faux? Est-ce que, dans la question, la phrase, les dominations, c'est une domination, vous retrouvez après les esprits méchants dans le texte. Éphésiens 6, verset 10 à 18. Peut-être bien, on dit qu'à ouvrir la Bible, vous regardez, mais. On peut répondre? Oui. Oui, tu peux. Je crois que c'est faux parce que les dominations viennent avant les esprits méchants dans l'organigramme. Ok, très bien. Excellent. Très bien. Esprit de domination, Jovini, avant. Donc, c'est faux. Donc, il va venir après. C'est faux. Répondez par vrai ou faux. Les principautés se positionnent, se trouvent avant le dragon
dans l'organigramme satanique. Notez bien et regardez est-ce que les principautés yo yo vini avant dans l'organigramme, avant le dragon. Parce que les organisés, l'échelle là, il y a les nets, principautés en les nets, vrai ou faux? Principauté yo positionné en les nets. La réponse est faux. La réponse est faux. Mes compliments, c'est bien faux. C'est ça, dans le texte, c'est faux. Et... Archifaux, parce que le dragon est le chef. C'est ça, le dragon est le chef. C'est très faux. Okay. Très bien. Archifaux. Cinquième question. Cinquième question. C'est une question. C'est faux. Et moment, la deuxième bête de l'Apocalypse, chapitre 13, se trouve avant le chef de l'Antichrist dans l'organigramme satanique. On reprend encore. Deuxième bête, là, dans chapitre 13, il vient avant l'organigramme, avant le chef Antichrist, là, dans l'organigramme satanique. Là. Vrai ou faux? Deuxième bête là, dans le chapitre 13 là, il retrouve avant chef Antichrist là, avant Antichrist là, dans l'organigramme satanique. C'est faux, deuxième bête là, c'est prophète là. C'est faux. Mes compliments. Donc, c'est faux. C'est faux parce que deuxième bête là, c'est faux prophète là, ou Antichrist sous terre. Donc, ça a aussi aidé nous à rappeler et soutenir. On connaît le livre là, il m'a demandé soin. Donc, nous faisons ça pour aider. Et cinquième, c'est faux. Exactement, c'est faux. Et nous allons aller au verset 1.6, question 6. Donnez le chapitre du livre de l'Apocalypse qui supporte la déclaration suivante. Le pouvoir, écoutez, alors, bas chapitre, non? Déclaration. Le pouvoir politique de la bête lui est donné par consensus selon un même dessein par les chefs de gouvernement de la terre. Qui chapitre dans le livre Apocalypse qui supportait samedi là? Que bête pouvoir, le pouvoir politique de la bête lui est donné par consensus. Que bête a recevoir pouvoir politique par consensus, par acclamation, par d'accord généralisé, suivant un même plan, un même dessein par tous les chefs de la terre. Qui chapitre dans le livre Apocalypse qui est d'accord à ça? Chapitre 13. Chapitre 13, qui est d'accord à chapitre 13? Oui, chapitre 13. Je crois que c'est le chapitre 13. Hmm? Non, moi je pense que c'est chapitre 17. C'est oui, c'est bien ça, le chapitre 17. Le chapitre 17. C'est le chapitre 17, exactement. C'est le chapitre 17. C'est le chapitre 17 là, nous jouons tout en transmission de Maïa. Dans le chapitre 13 là, nous jouons une révélation qui parlait de côté antichrist en lui-même, l'élevé. Mais c'est dans le chapitre 17 là que nous jouons une déclaration au verset 17. Dans Apocalypse chapitre 17, le verset 17. C'est là que nous joignons déclaration. Ça, chapitre 13, côté que nous joignons révélation sur agitation, l'arrivée, l'initiation, la mise en place et façon que vous êtes là. Mais 17 là, lui-même dit préciser ça. Chapitre 17, une précision. C'est bien, donc c'est sûr que il y a un monde qui a 6 points déjà. On a avancé. Compléter la troisième case de l'organigramme des forces des ténèbres, c'est-à-dire le système des forces des ténèbres là. Et c'est 1, 2, 3. Oh, c'est quatrième case, désolé, c'est pas troisième, c'est quatrième case. Case qui est blanc. Il y a un dragon là.
il y a domination, il y a autorité, et puis quatrième case là, il vide là, c'est compliqué. Qui est prince des ténèbres. Oh, prince des ténèbres. Prince des ténèbres. Les compliments. Prince des ténèbres. C'est ça qui va là. Donc, quand pas besoin de plus, donc nous avons gagné également dans le texte. Prince des ténèbres. C'est quatrième case. Question 8. Question 8, tu rappelles? L'autorité spirituelle qui gère la richesse et l'argent, autorité ça relève comment? Maman. C'est maman, c'est bien. Donc c'est maman. Donc il y a qui va qui t'inquiète l'autorité. Réfléchis, mais c'est maman. Donc, vous vous joignez et Matthieu 6, verset 24. C'est maman. Donc, maman. C'est maman. C'est autorité ça qui lui-même qui a géré déjà. Il n'est pas prêt à l'autre qui a géré. Avec cela, c'est maman qui a géré la question de l'argent et l'amour de l'argent, la cupidité qui est une idolâtrie. Et dans le texte Colossiens chapitre 3, c'est maman qui gagne et qui a piloté. À piloter ça, l'esprit ça. Ok, donc, vrai ou faux, le verset biblique qui parle de maman, par exemple, est Matthieu, chapitre 6, verset 24. Verset 24. Donc, c'est le nom de la Bible, non? C'est vrai ou faux? Le verset biblique parle de maman. Matthieu 6, verset 24. C'est vrai. Donc, vrai. C'est vrai. C'est vrai. Merci. C'est vrai. Question facile. Hein. Donc, le texte en Matthieu 6, 24, il dit: nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Donc, j'espère que il faut au moins, bien, pas dit tout le monde, et joindre et déjà au moins moitié. Question 10. Un principauté qui se cache derrière la divination, c'est-à-dire l'occultisme et la sorcellerie, est identifié par l'apôtre Paul sous le nom de principauté qui dirigeait, c'est maman, puis principauté qui dirigeait l'argent, principauté qui dirigeait, contrôlait lui-même, il y a de divination, ça n'est les horoscopes, occultisme, sorcellerie. Et apôtre Paul identifié dans Actes 16, verset 16-18, sous le nom de. Rappelez-nous, non? Esprit de. Python. Esprit de Python. Un compliment. Très bien. Esprit de Python. C'est divination. Toutes ces dames, ça y est, vous réunir dans le gouvernement antipuissant pour y aller frapper. Pour y aller frapper. Et y a frappé déjà. Et pas l'indicat, le pral accentuer, le pral augmenter l'activité dans le gouvernement, sous gouvernement antichrist. Et déjà, le mystère de l'iniquité agit déjà, le mystère là a frappé. Python a travaillé sérieusement, Python travaille dans les foyers, vous avez dit ça, Python travaille dans les églises, Python a travaillé dans les groupes de prière. Python a travaillé dans des groupes de jeunes qui ont prié, Python a travaillé dans des écoles bibliques, Python a travaillé dans des séminaires de théologie, Python a travaillé parce qu'il y a des gens qui remplissent l'esprit de Python partout. Pour prédire et faire de fausses prévisions, de fausses, ce n'est pas bien, des mensonges, qui a recevoir des mensonges de Satan. L'esprit de Python. Et de rappeler nos esprits de Python, ce sont des gens qui ont dormi. À moun qui levé, qui attendait dans la radio, qui regardait sur Internet, leur numéro de chance,
etc. Tout ça, c'est déjà la divination et qui va accentuer le jour même, pendant la période de l'Anticlus. Ok, c'est le rappel. Et répondez par vrai ou faux. Les cornes symbolisent la force et l'autorité. Les cornes, rappelez-nous, connotez-vous Apocalypse chapitre 17 là. Pour capable relier pouvoir politique là, capable et atterrir, donc comprendre. C'est vrai. On est sûr. Les cornes symbolisent la force et l'autorité. Connant, c'est pas. Et pour bah on est pour cas si ok donc c'est bien tout le monde dit vrai donc puisque tout le monde dit vrai c'est vous on va c'est bon c'est une même c'est bon ouvert et mieux deux je connais pas mon fond les 10 cornes que tu as vues que Jean a vu dans la révélation, dans le livre, sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme moi pendant une heure avec la bête. 10 cornes que Jean dit, c'est 10 rois qui peuvent recevoir le royaume, mais qui ne peuvent recevoir autorité tant que roi, cabinois, pendant une heure. Avec la bête, c'est-à-dire avec le faux Christ. C'est vrai. Tout le monde d'accord. Tout le monde jeune et on va mettre un point. Donc ça fait 12 sur 12. Répondez par vrai ou faux, réfléchissez, regardez. La bête conférera au chef des gouvernements les plus puissants un pouvoir spécial car ils affirmeront son autorité et partageront son triomphe. Bête là, il peut aller bail à des chefs de gouvernement qui sont très puissants sur la terre ont un pouvoir spécial et qui a affirmé autorité bête là. Et qui a partagé ensemble et ça me déclare les festivités, les triomphes, les gloires. Est-ce que c'est vrai ou faux que Gaïen a établi des rois, des chefs sur la terre qui va partager avec les royaumes, non, partager autorité. Qui a filmé autorité et qui a partagé triomphe. C'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Tout le monde d'accord? C'est vrai? C'est bon, on est d'accord? Oui. Avec un des deux, on est d'accord? Un troisième, on est d'accord, c'est vrai? Alors, on est d'accord, c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ok, bon. Ça fait 4 personnes. Et bien, mes compliments, mes félicitations. C'est sûr qu'il y a d'autres monde qui viennent. C'est vrai? Donc, le texte nous dit. Et rappelez-vous, Apocalypse chapitre 17, verset 12, 13, il dit les 10 cornes que tu as vues, rappelez-nous, c'est dans le pouvoir politique là, oui, Antichrist va le gagner. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme moi pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessin, un même plan. Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. À la bête. D'accord? Donc, il y a de ça. On va continuer. Ok, ça. On va voir le truc Apocalypse 17. 14. Répondez par vrai ou faux. Question 14. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été institué de Dieu. Je reprends, vrai ou faux. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu.
toute autorité qui établit yo yo sorti yo yo vient sous yo nan bon Dieu. C'est faux. Donc on qui d'accord avec vous? C'est faux. Donc ça fait combien de monde qui dit faux? Ça fait deux monde qui dit faux. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est vrai. Il y a deux vrais et un faux, mais un faux et un vrai. Est-ce qu'il y a un autre monde qui a supporté? Je pense que cette question pourrait être équivoque. C'est ni vrai ni faux. Moi, je dis, d'après la Bible, toute autorité vient de Dieu. Ok, donc c'est toute vrai. Toute autorité vient de Dieu. Ok, mais qui ça dit, est vrai? Ah, je dis vrai. C'est faux, il faut considérer le contexte, comme vous avez expliqué. Oui, mais imaginez-vous ça, c'est un texte que je lis, c'est un texte. Okay, ça, c'est un texte de la Bible, ça, c'est un texte de la Bible, mais l'explication, c'est autre chose. C'est ça. La Bible, toute autorité vient de Dieu. Les autorités qui existent sont constituées de Dieu. Vrai ou faux? Donc, c'est vrai? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Bon, ok. Donc, on garde le consent. C'est ça. Correct. Maintenant, ça m'a dit que vous me ferions une mise au point. Là. Et moi, l'autre question, pour prendre l'autre question après, je m'en pour ne pas gagner, disons, nuage de confusion. Bon, on prend l'autre question et puis on va faire un seul coup en même temps dans la révision. C'est Romains chapitre 13, verset 1. C'est un texte de la Bible que moi affiché. Donc, m'affiche le texte. Hein. Et j'ai un texte à IA, donc le texte à garantie. Maintenant, c'est l'explication qui compte poser problème. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Ça, c'est Romains chapitre 13. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc, vous mettez le texte de verset B.A. dans l'IA. Donc, verset A clair. Maintenant, bon, on prend la deuxième question. Et deuxième question, et puis on va faire explication, rappel là en même temps. Est-ce que vous avez sauté la deuxième question? Bon, je me souviens que vous avez une autre question. Bon, il parle. Et bien, bon, faire rappel là-dedans. Normalement, il y a plus loin que ça. Ok. Rappelez, non? Bon, ben, on va tout. Une question qui est là, qui complète ça. Et que mettez plus loin, probablement. Ben, oubliez, mettez. Non, rappelez, non? Dans l'explication que en plein monde bail, le fait que vous prenez un texte à Jean lié à, et puis vous ne comprenez pas le contexte, il devient un prétexte. Vous prenez tout. Des bons textes, ou prenant dehors de son contexte, c'est des bons textes. Et oui, c'est bon Dieu qui établit l'autorité. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, pour mon contexte, avant de voir la prière, je vais expliquer ça. Et c'est par rapport à la tendance qui est gagnée pour te soulever soit contre l'Empire romain. On va oublier qu'on te dit dans. Parmi les tendances qui ont été gagnées, les Zélotes, les Zélés, mais les Esséniens, qui ont gagné les Pharisiens, etc., les Sadducéens. Mais les Zélotes, qui ont été un groupe qui était au même prêt de bataille. Ils ont toujours gagné les pays au sous eux, des autres qui ont la bataille parmi les Juifs. C'est un groupe qui était là, très zélé, pour retirer Israël, le peuple juif, en bas de domination romaine. Excusez donc. Après rappeler le contexte, ça, après rappeler le peuple, écoutez, autour de qui là, si bon Dieu pas voulu que l'homme dirige l'homme, il n'y a pas de ça possible. C'est bon Dieu même, dans le parcours, et période pendant que l'homme a vu sur la terre, on a résumé, ça a les dispensations, rappelez-nous ça. Et après le déluge, quand et l'homme a besoin de constituer, monter la tour de Babel, que bon Dieu va mettre confusion, on va tomber dans Genèse chapitre 11, là, bon Dieu lui-même, il va confondre, l'engage,
Et après que fin nettoyé parti de la nettoyé nous vient avec famille l'éternel Dieu pour quitter l'homme dirigé encore avec conscience parce que c'est la troisième étape que nous dans l'homme c'est la troisième étape que nous après l'innocence dans le jardin l'homme péché vient dans la conscience de la conscience nous passer dans le gouvernement humain hein? Dans le gouvernement humain, hein, c'est là que bon Dieu pral quitter, nouer, instituer même sur une structure de gouvernement humain. Côté que nouer vient premier gouverneur avec ou diriger avec son fils. Donc c'est bon Dieu même qui se source là. C'est même qui se source tout le monde qui a dirigé le monde sur la terre. Ça ne veut pas dire que le fait que on entre dans un homme s'installe dans ce palais, c'est bon Dieu lui-même qui met Mounsa personnellement. Mais Mounsa qui est dans le palais, que c'est une bonne personne, un bon monde qui a une moralité pour diriger, mais que l'immoral ou amoral, le fait que vous positionnez là, lui a répondu à une loi spirituelle. Son loi spirituelle, c'est en fait une loi spirituelle que là. Mais pas parce que principalement c'est Mounsa que bon Dieu lui-même qui désigne. Par exemple, Saül avec et David, tu peux comparer Saül à David, parce que Saül c'était pas le vœu même, c'était Saül pas dans la volonté absolue même de Dieu. Non. Le peuple a demandé un roi qui s'est passé le bayo un roi. Et Saül est rentré. Pour voir les dégâts Saül va le faire. Donc autorité à soi parce que bon Dieu est d'accord que l'homme dirige l'homme. Donc comprenez bien. Donc c'est parce que c'est dit que un président X qui est dans tel palais, c'est bon Dieu qui est installé là, on va dire pas comprendre. Il va dire ah pas comprendre. Mais le fait que là la par position, il vient dignité, il faut respecter la position. Ça veut dire que la personne en soi qui est au palais, il peut aller la rentrer la caille. Depuis mandat le fini, la rentrer. Position abritée là. C'est position ça. Donc, il faut qu'on soit un espace lié, il faut qu'on monde, il faut qu'on personne, un homme ou une femme qui occupe l'espace. Une fois que le monde qui occupe l'espace là, l'union avec tout espace là, il doit y et respect, il doit y obéissance. Selon le principe de loi spirituelle. Mais pourvu que ce n'est pas des décisions qui sont à l'encontre de l'homme, rappelez-nous, Daniel était opposé. Avec les trois jeunes Hébreux, ils étaient opposés à l'autre, et depuis qu'ils étaient bâillés pour aller adorer des statues. C'est une action diabolique, satanique. Donc, c'est un peu ça pour me faire capable de saisir, parce que son brouillard, son verset qui entre dans le monde, dans un nuage. Ce que ça a été encore, rappelle que. C'est quoi? Laisse-moi avancer. Et. 15 ans, choisissez toutes les bonnes réponses. Bon, est-ce que tous les deux, bon, c'est deux, est-ce que tous les deux, bon, c'est son seul. Le roi Nebuchadnezzar avait assigné un autre nom à Daniel et ses compagnons afin de le conduire à oublier leur origine spirituelle, d'exercer la sorcellerie et l'occultisme sur les jeunes Hébreux. Est-ce que Nebuchadnezzar a échangé le nom Daniel avec l'autre trois? Si monsieur, trois ans de compagnie de prière du jeune, toi, l'autre hébreu. Si monsieur Sayo, est-ce que Nebuchadnezzar, qui objectif est-ce que c'était pour te faire oublier les origines côté sorti dans bon Dieu? Ou bien est-ce que c'est dans le but pour te exercer, ou bien les deux, la sorcellerie de l'occultisme sous jeune hébreu? Et est-ce que, qui est-ce que dans deux réponses à qui bon, est-ce que l'aide est bon, est-ce que qui est-ce que qui bon, est-ce que l'aide est bon? En attendant, est-ce que c'est parce que devait exercer une sorcellerie, un cultisme, est-ce que c'est parce que devait faire oublier l'origine, de oublier bon Dieu à servir, le Dieu d'Israël? Ah. Les deux. C'est quelqu'un qui dit A. Les deux. Les deux. Les deux. Les deux. Les deux. Non, bien aimé qui dit les deux, qui dit A et B. Donc, il y a deux personnes qui disent A et B, qui disent les deux. Gagnon qui dit A, gagnon l'autre qui dit A. Ça fait trois réponses. Est-ce que vous avez secondé avant que nous avancions?
qui est d'accord avec les deux, donc on a bien qui dit les deux, qui dit A et B. En fait, oui, c'est les deux. En fait, oui, c'est les deux. Et parce que c'est pas oublié que y a une étude de cas que nous avons fait, nous avons essayé de comprendre tableau, organigramme, monde des ténèbres, là, nous avons allé faire coup de jet sur le règne du Capital, comment que il était exercé et pouvoir et social lui au cultisme pour faire au coup d'ailleurs à monsieur des noms de divinité. Et encore c'est l'esprit de Python qui agissait et derrière. Donc c'est ça. Donc, c'est la sorcellerie et l'occultisme. Ça présent, c'est très bien. Donc on pense que même qui parle pas parler, des gens qui timide va parler, mais ils joignent yo. Il dit ah c'est ça, donc c'est bien. Et... OK. Vrai ou faux? Car, alors voilà, c'est le BTL 16 et le soutien par contre. Okay. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Vous ne pas vrai ou faux? Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Ouais. Donc, l'autorité de l'Antichrist vient de Dieu. Vrai ou faux? Faux. Puisque, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc, l'autorité. Faux. Ok, faux. Donc, c'est ça, je voulais attirer l'attention, non? Et par contre, même, je ne sais pas si je me au même côté, donc, ça ne va pas. Donc, c'est faux. Ce n'est pas parce que. Est-ce que nous avons un texte, là? Nous avons une démarcation que. Et pour qui ça que moi j'ai ouvert parenthèse là? C'est pour te arriver à ça comme conclusion. C'est vrai, oui, c'est vrai. Si nous ne passons pas une phrase derrière, devant un livre, parce que c'est la pensée de Dieu. C'est vrai. Mais si maintenant on dit donc, on conclut à cause de ça, que l'autorité de l'Antichrist vient de Dieu, que c'est bon Dieu même qui est d'accord pour installer l'Antichrist. Non, c'est le dragon, c'est Satan qui installe l'Antichrist. C'est pas bon Dieu que ça. Voilà. Donc, il y a un président sur la terre, il y a un chef d'État sur la terre, c'est Satan même qui mettait. Il fait arriver au pouvoir. Il y a un monde qui arrive au pouvoir, il voit l'élection à main. Ça fait dans tout pays sur la terre, à la honte d'aller. Il y a un monde qui arrive, c'est l'écrivain, et puis il y a un virage qui fait, et puis on l'autre. Parce que mon mandat, il n'est pas capable de réaliser des bagages, il n'est pas capable. Selon le monde des ténèbres. Parce que les princes des ténèbres aussi, Yoshita, ils siégé au deuxième ciel. Rappelez-nous, c'est profiter pour un autre pour ça qui t'est échappé. On va continuer à compléter le premier gouverneur institué par Dieu fut Noé. Noé, très bien. Donc, oui, on a rappelé ça. Donc, c'est juste encore, c'est des corollaires, c'est des connexions pour nous capables de ne pas oublier. Répondez par vrai ou faux. Prends sans nom pour le sûr que je ne c'est nuance comme les nouées. Vous comprenez bien, nuance sont très importants pour carrer. Et mais, qu'on fait faute, ou dit le contraire, la tour rentre bien dans ta famille. Les sept rois de la terre donneront le pouvoir à la bête. Vrai ou faux? Les sept rois de la terre donneront le pouvoir à la bête. Sept rois sur la terre, yo, c'est eux-mêmes qui ont bâillé la bête là pour voir. Là, les braves, les sept rois de la terre donneront le pouvoir à la bête. Hmm? C'est faux. La personne qui dit faux. Les sept rois de la terre donneront le pouvoir à la bête.
Bon, deuxième, et là, si nous avons 3-4 personnes, laissez-moi me consolider. Nous constatons sur que toutes les 10 ans, je viens. Bien, en deuxième, personne qui est trop. En troisième. Sept rois. Et sept rois, texte en dit, alors, pas texte. Question. Et sept rois qui a bail, sept rois sur la terre qui a bail, d'être là pour voir. Ouais. Bien, l'autre servante qui dit vrai. Avec une étoile, c'est mon quatrième qui a compris. Avancé. Il faut mental dit vrai. Il a dit vrai. Et vrai. Il dit faux. Oh, il y a un bien-aimé qui dit faux. Il y a 5 réponses. Donc, il y a un faux, il y a un vrai. Il y a 3 faux, 2 vrais. Voilà, maintenant. Les sept rois de la terre donnent le pouvoir à la bête. Il y a 3 faux, il y a 2 vrais. Côté bien là même. C'est bon, mon cap balancé. À cause de cette loi, me dit faux. Ouais, il faut quatrième ou dix fois, ok? Ça veut dire que bon, il y a 4 fois. Donc, on garde le bon sens. C'est faux, je pense. Oui, c'est faux. Faux. Donc, c'est faux. Amen. Et pourquoi vous dites, je m'explique encore plus, ça c'est faux, et puis quitter l'avancée, c'est celui de Mais c'est la bête qui donne le pouvoir aux sept rois. tout. Alors, bien pour moi, tu dis? Les D'accord avec sept rois de la terre donneront le pouvoir à la bête. Je pense que c'est la bête qui donne le pouvoir aux sept rois. Bon. De toute façon, c'est faux. C'est fort. Non, c'est faux. Ok, on continue. Je vais faire commenter après toute une série de questions parce que si je vais commenter à la game, je vais répondre encore. Donc, pour une connexion. Et vous mettez aussi juste pour attirer l'attention sur un point final dans la liste. Bien ou faux? Les 10 rois de la terre donneront à la seconde bête. Les 10 rois de la terre donneront le pouvoir à la deuxième bête. Donc, C'est 10 vrai. rois, la deuxième bête là pour voir. C'est vrai. Et bien, Tu premier vois. vrai. Bien, premier vrai. Donc, on est convaincu que c'est vrai. Et ainsi que ça, mesdames, il y a 10 rois qui parlent pour voir la seconde bête. Regardez bien. Dans tout le monde, il y a 10 rois de la terre qui ont le pouvoir à la deuxième bête. Bon, bagage. Excusez-moi, pasteur, c'est question 18 ou question 19? 18. Avant que je me saute une bonne, on va me garder. 19. Parce que 18, là, c'était les 7 3, ça t'a supposé 19. 19. 19. 19. Ça veut dire que tout reste dans l'arbre, vous me débalancez. C'est sûr que vous me débalancez. Exactement. Parce que vous me juste copier, vous me faire plus vite, vous me copier en acétate et vous me créer les numéros. 19. Merci. Les 10 rois de la terre donneront le pouvoir, ça fait que je m'étonne pas question. À la seconde bête. Tout ça avec le micro, on est en ligne. Je dis faux. Et tu dis faux? Tu dis faux. Ok. Donc, il y aurait une troisième réponse. Et, chers et sœurs auditeurs de la radio, on va pas répondre, mais on va noter sur papier et puis l'opinion, ou même avec cet esprit à bonne note. Même qui sur Radio, même qui sur Dailymotion, sur YouTube, à répondre sur Account, sur le webinaire avec Account, avec Contour, sur accès à Account, sur Facebook en tout cas, pour répondre, pour mettre mes questions. Mais la question 19. J'ai dit faux. Les rois de la terre donneront le pouvoir à la deuxième bête. Deux
Je vais m'avancer parce que moi, tant que je ne pas de prendre trop de chance. Hein? Ok, donc je vais regarder pour le faire, je chance. Bon, c'est faux. C'est faux. Donc, il y a un béni qui dit faux, il y a un dit vrai, mais c'est faux. Et toujours, maintenant, nous faisons seul pour sa réponse et pour son explication de l'ensemble pour qu'elle voit tout ça. Donc, comme sur la première question 20, même sur la 19, c'est 20. Les 17 rois de la terre donnent le pouvoir à la première bête. Les 17 rois de la terre donnent le pouvoir à la première bête. Les 17 rois de la terre donnent le pouvoir à la première bête. C'est faux. À quoi le chiffre qui a augmenté, hein? C'est faux. C'est faux, la vie. Pas gagné 17 rois. Bah, chaud point. Hein? Tout, tout. Alors? 17 rois, donc, ça n'existe pas. Dans... Il y a le chapitre 17, mais pas gagné 17 rois. Il y a 7, et 7 têtes, 10 rois, mais pas gagné 17 rois. Ok? Ça n'existe même pas. Et donc, question 21. Les 10 cornes, vrai ou faux, répondez pas vrai ou faux. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui reçoivent l'autorité, qui reçoivent autorité comme roi pendant une année avec la bête. C'est vrai. Donc, il y a une première personne qui dit vrai. Bon, deuxième. C'est pendant une année. Comme quoi, c'est bien que nous guettons ça, donc l'église en ça, donc c'est pendant une heure avec la bête. Et donc, nous faisons déjà, mettons notre réponse déjà, notre question, donc et c'est bien, c'est bien. Donc, bien encourageant, c'est très encourageant pour enseigner avec nous, parce que nous vraiment assis sur ça, ensemble. Voilà, Dieu. Parce que pas vrai, dit année à quel pas vrai, mais il y a un soldat qui, ouais, c'est pas année à Babo. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui reçoivent autorité comme moi pendant une heure avec la bête. Vrai. Le premier est vrai. Tu nous entendez? Tu nous souviens? Le deuxième. Pas fin sur toi et 10 cornes yo que tu as vu ça Jean ouais dans livre Apocalypse là sont 10 rois qui reçoivent autorité comme moi pendant une heure avec la bête. C'est vrai et faux. Certains n'ont pas encore reçu autorité.
on suppose que, en fait, l'esprit s'est établi et puis l'action se passe. Antichrist en Chita, et puis il y a 10 cols, alors ça qui est encore l'étude, les 10 cols que tu as vu sont 10 voix qui, en fait, ok, bon, vraiment très vigilant aussi, parce que texte en dit qu'il va recevoir autorité. Bon, les questions amenées quand même, on étudie un peu de côté, mais si discuter là avec moi, je vais le point, parce que je vais limiter au futur. Mais, on suppose, en fait, on croit que Antichrist établi, donc il gagne 10 voix qu'à recevoir autorité pendant une heure. Est-ce que c'est vrai? Antichrist en Chita, mais il établi et puis il gagne pouvoir là-bas avec 10 voix. Okay, okay. Est-ce que nous d'accord avec ça que là-bas il y a autorité à recevoir autorité? On dit vrai, on dit d'accord. En fait, c'est vrai. Les articles sont établis et après sous voie. Mais par précision, de le mettre, il lit au futur. Mais c'est une déclaration qui peut. Donc, c'est un texte Apocalypse, chapitre 17, verset 12. OK, on va avancer. Là, c'est question 23. Répondez par vrai ou faux. Les 10 comptes qui arrivent. Il y a le microphone et caller 11. Les 10 comptes que tu as vus sont 10 rois qui reçoivent autorité comme moi pendant une heure avec la bête. Ici, le mot heure signifie 60 minutes. Vrai ou faux? Le mot heure signifie 60 minutes. Le mot heure signifie vrai ou faux dans le texte. Les avoir recevoir, les avoir recevoir autorité pendant une heure, et ici 60 minutes. Faux, vrai, faux. Attendez, donc il signifie 60 minutes. 60 minutes, donc une heure à 60 minutes. Il signifie 60 minutes, c'est vrai. Je dis faux. Donc, l'autre dénommé qui dit faux, et après, ça fait mon vrai ou faux, on l'autre vrai encore. Une heure à 60 minutes, c'est pas ça en apprendre, non? Oui. C'est ça que j'ai dit vrai. Ok, donc vrai, c'est quand on dit vrai, mon dénommé qui dit faux, que l'autre qui dit vrai. Nous avons maintenant un passant d'après un mot, non, 61 à 60 minutes. Non, un mot, pas nous, mais non, ça, c'est faux pour moi. Ok. Non, ça, c'est faux. Non, mot, ça, c'est pas 60 minutes. Bon, je voulais dire que c'est un temps qui coûte. Ok, c'est un temps qui coûte. Donc, ça dit vrai ou faux? Selon toi? Nous dit faux. Ok. Donc là, il y a trois faux et on voit, donc c'est une balancée pour nous avancer. Et avancer. C'est faux. C'est faux. Et exactement, et 60 minutes là, c'est pas que le livre d'Apocalypse aussi, c'est un livre qui a un langage symbolique. Donc, il y a un peu de symbolisme à donner. Il dit recevoir une heure d'anniversaire hein, avec la bête, c'est pas. Donc, c'est à. Bon, depuis nous, comment c'est. Nous démarrer à cette heure-là, nous avons 60 minutes. Imagine au gouvernement, même en logique, il t'a payé. C'est compliqué pour nous. T'as dit gouvernement, t'as dit si gouvernement était monté à 7 heures, on a la ligue dans ton bien longtemps. Pas ça? C'est littéral. Voilà. C'était littéral 60 minutes, donc depuis le gouvernement, tu es monté à 7 heures, on l'aime commencé. Et arrivé là, il dit que dans ton bureau, longtemps parce qu'il a gagné plus de 8 minutes. Donc, c'est faux. Ah,
Les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui nous ont autorisés comme moi pendant une heure avec la bête. Ici, le mot heure fait référence à 3 ans et demi. Vrai. Vrai. Vrai, t'as l'absence. Vrai, prends ça, nous garder ça bien. Vrai. Vrai. Faux. Avec la bête. Ici, le mot heure. Faux. La référence à 3 ans et demi. Vrai. Vrai. Dans l'autre vrai. Il y a deux vrais, deux faux. C'est vrai. C'est vrai. Dans l'autre vrai. Ça fait 3 vrais, 2 faux. Vous voyez maintenant. Donc, il y a plus de monde qui croit que c'est vrai, l'enseignement, hein, que l'Antichrist s'est établi, il est parlé autour de lui-même, ou ailleurs, dans le sigil, pendant que l'Église dans les cieux, lui-même, ça prend fait pendant 3 ans. C'est un qui est convaincu que c'est vrai, on l'autre est convaincu que c'est faux, mais avancé. Là, selon là, on va avoir une explication, on va avoir une explication parce que je sens que il y a peut-être bien des mondes qui, bien aimé, qui a su, mais le monde ne se pas parler, mais qui a balancé là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est 3 ans et demi vraiment? Encore, c'est des questions que je me posais déjà, qui sont leur forme. Capable encore de vous connecter dans mon enseignement. Bah, en quelques secondes encore. Je suis sûr que sinon, bah, la explication, c'est sûr que là, bah, la explication connectée. Avec toutes les autres questions avance. OK. Donc, la réponse, c'est vrai. Oui. Pourquoi c'est vrai? Encore, bon, vous prendre. Je suis sûr que peut-être un monde qui a un petit peu. Pas sûr. Donc, tout noter ça, parce que on va retourner sur une autre Une question qui est très courte. Bon, on va prendre encore pour nous comprendre. L'ordre Bible là, l'expression 1 heure là, c'est pas 60 minutes. Donc, on est d'accord que je dis déjà, les 7 heures qu'on y a là, les amis, le gouvernement est en montée. Votre même temps, balle investie sur le temps. Bon, c'est juste pour expliquer encore Jean, lui, dans la vision dans le livre là, il a expliqué non, que le gouvernement a monté mais en temps qui était court. Et rappelez-nous, quand le dragon a tombé sur la terre, encore, il y a un message que l'apôtre Jean, il une déclaration qu'il fait, les dragons ont précipité sur la terre, au bas tendez, il a dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, et vous rempli de fureur et de colère. Bam, quatre ça encore. Ouais, ma prestation ça encore. Suivez bien, tout le monde suivez bien. Et allons avec moi dans chapitre Apocalypse chapitre 12. Chapitre 12 parce que ça j'en dis là dans chapitre Apocalypse 17 là, connecté avec chapitre 12. Ça prend un petit peu de temps pour vous connecter encore. C'est sûr que il y a plusieurs monde qui pas c'est même si on dit vrai ou faux, mais il ne doit pas expliquer aussi. Il ne doit pas expliquer un peu. Le, et si on t'a posé une question, qui le dragon a tombé à terre? Dragon a tombé à terre en moitié et 7 ans. Rappelez-nous? Et c'est le ça, Antichrist, là, chef Antichrist, il va le proclamer. Et consensus global. Chef, là, la poursuite voir mais l'association en Israël, Alliance, rappelez-nous. Rappelez-nous, ça va pas mal doucement. Rappelez-nous, dans Daniel, chapitre 9, là encore,
que Daniel expliquait ça. Il y a une alliance entre tout ça encore, l'Église a enlevé. Bon, commencer dans le point d'origine. L'Église a enlevé. Donc, une fois que l'Église a enlevé, nous connaissons d'Adiga au faux, l'Église va passer 7 ans dans les cieux. C'est vrai. Et c'est pendant la dernière période, dans les dernières semaines, non, que Daniel a expliqué, non, dans la période, ça, qui c'est une période de 7 années. 7 ans. C'est dans le début hein, que le peuple Israël, les Juifs, ils prennent une alliance avec et M. Saar, que toute la terre et vos puissances, ils prennent vos maîtres, maillettes pour diriger le monde. Mais avec un cœur, un peau de mouton et puis un cœur de lion. Il y a au cours, pendant ce temps, Satan, pourquoi le monde des ténèbres et là, mais le dragon pour qu'on précipite descend rivier Boïsite, le deuxième ciel côté mon Dieu mettait en prison avec les dominations des principautés. Regardez bien, suivez bien. Maintenant, le lit plongé, bon dit plongé à terre, laisse nous rivier l'embal dans la moitié sept ans, qui c'est 3 ans et demi, hein, c'est là que une fois que le dragon a tiré à terre, monsieur Saar, que tu m'étais dirigé à terre pour contre l'IA, tout cela qui était soi-disant pour ton solution par le monde entier, c'est les salles qui ouvrent Zélia. Donc, le, à partir du moment que Zélia ouvrit, il proclame la force, hein? les chefs antichrist descendants, c'est là, nous dans Apocalypse chapitre 13. Là. C'est côté que lui-même il va bail pour fait là pour voir et c'est dans période ça tout il va bail royaume autorité puisque il était combien temps crité temps était à tellement petit écoute c'est 3 ans dans dernière période ça et c'est dans dernière période ça aussi que l'Éternel Dieu pral cacher Israël. Donc, les pouvoirs politiques, les noms même. Autorité religieuse, non même. Parce que pendant la course au pouvoir politique, là, on saisit autorité, pouvoir religieux, quand que les prêtres font cesser et le sacrifice à offrande que le peuple Israël, les Juifs, a fait en, dans le temple, là, et les prêtres réclament adoration. Tout ça, nous avons dans Daniel chapitre. Là. Voilà, si je me reviens dans verset 27, là. Nous parlons en pile de lit à tout le temps. Daniel 9, 17. Pral prend autorité pour voir où il vieux lit. Il pral, parce que déjà Satan a besoin d'adoration depuis dans les cieux, il pral demander quoi adoration retourner vers lui-même. Là, nous avons moitié 7 ans. Donc, le gouvernement ça que le pral dit, roi ça que le pral baille pour voir autorité, c'est ça que Jean Relé, il y a un règne. D'une heure. Mais qui c'est reste 3 ans et demi. Donc là, reste 3 ans et demi, c'est règne d'une heure. Donc, éminemment que à votre joie. Maintenant, Jean Paul dit une heure là, il est tellement petit. Depuis avant ça, dans le texte Apocalypse chapitre 12, là, ma première explication, vous suivez bien. Dans le texte chapitre dans Apocalypse chapitre 12, non? La parole de Dieu pral dit nous qu'on guerre, qu'on bataille qui déclarée, rappelle nous bataille ça, depuis au verset 7, dans chapitre 12, on note ça, pour capable lire, parce que nous lisons ça à plusieurs reprises, mais notez pour lire encore, ou même pour méditer sur lui, au verset 7, quand il dit il y eut une guerre dans le ciel. Michel, et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et ils furent précipités. Le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduisit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc, le tiers d'ange. Un tiers d'ange qui était parti, qui était rebellé avec lui. Maintenant, mais ça, après que Jean dit, il dit, écoutez, j'entendis
au verset 10, il va dire, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Hein? Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Donc, au verset 12, une sautée, on va faire résumer rapide. Il dit au verset 12, il dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Écoutez, un petit moment, il faut gérer vos micros. Écoutez, il dit, malheur à la terre, mais vous devez dériver dans chapitre 12. Entendez bien, oui? Chapitre 12, verset 12. Malheur à la terre et à la mer, car le est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, le peu de temps, c'est encore une autre façon que Jean dit une heure. Parce que le temps est court. Peu de temps. 3 ans et demi n'est pas beaucoup. Et comme les jours passent vite, le temps pour monsieur régler tout ça pour le régler. Donc, encore rappelez-nous, tout dégât que Antichrist va faire, les pouvoirs politiques, religieux, militaires n'en mènent, les pouvoirs économiques n'en mènent, surtout le pouvoir politique là. Dégâts que tu as fait avec armement qui n'emmène, tu as décidé de faire ça, l'a fait, c'est pendant 3 ans et demi, c'est une heure. Donc, encore, c'est une façon de rappeler pour surtout ceux même qui sont peut-être dans l'incertitude, parce que c'est pas tout le monde qui suit tout enseignement, l'une après l'autre. Donc, encore, c'est un rappel. Donc, Apocalypse, chapitre 12. D'accord? Apocalypse chapitre 12 et là, donc, on a valé tout à la maison encore pour capable. Donc, ça fait penser à 3 ans et demi. C'est dans 3 ans et demi ça que Antichrist va proclamer. Il est à l'église même Abdans et les noces de l'agneau. Ok? On va continuer. Une quatrième question. Les eaux que tu as vues. Et pour débattre au fond, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc la parole de Dieu parle clair dans la révélation de Jean que gagné une prostituée. Nous pouvons expliquer prostituée ça et de qui il s'agit. Et donc c'est, ce sont des peuples. Donc, l'eau, dans le sens, dans le livre Apocalypse, hein, c'est pas une rivière, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Peut-être, parce que c'est vrai. Il y a le Mississippi, il y a la Tibonite, il y a Saint-Laurent, le Nil, etc. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai. Apocalypse. Donc c'est vrai. Quand l'autre bien-aimé qui est d'accord, c'est vrai? C'est vrai ou c'est faux que l'eau qui a parlé dans l'Apocalypse? Oui, c'est vrai. C'est vrai? En fait, vrai. Vrai? En fait, c'est le texte même. Que le texte en plus mettait. Donc, il parle de l'autre, c'est une réponse que c'est vrai. C'est le texte même de la parole. Il explique que les eaux, l'eau dans le livre là, c'est pas le fleuve Tibonite, c'est pas Mississippi, c'est pas le Nil, c'est pas le fleuve Saint-Laurent, c'est tout le gros bloqué sur la terre. C'est encore une image, son message symbolique qui remplit aussi de qui un langage symbolique assez puissant. Très bien, et je vais prendre la 26e question. Et l'Antichrist, selon Daniel 9 et Apocalypse 13, demandera l'adoration avant son alliance avec Israël. Faux.
Bien, pour dire faux. 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 Faux encore. Mon troisième faux. Faux. Oh, bien. Tout le monde c'est faux là. Eh bien, c'est toute l'Église qui dit faux. L'Église dit faux. Donc, l'Antichrist, selon Daniel 9, demandera de l'adoration avant son alliance avec Israël. D'accord, c'est faux? C'est faux. C'est faux. Bon, bien, finalement, on va faire faux. Comme garder, c'est faux. Donc, c'est au début, de expliquer ça là, à bien. Bon mariage, bon accord, c'est dans le temps. Nico à la gloire de Dieu. Nico à la gloire de Dieu. Alors, on ne peut pas avoir de problème. Ok, donc, qui est capable de répondre? Vrai ou faux, regardez bien. Ceux qui refuseront de porter la marque de la bête pourront quand même acheter, mais à un prix beaucoup plus cher. Faux. Ça, moi, c'est que tout le monde, ceux qui sont posés déjà, c'est que tout le monde, pour tout chrétien évangélique, ils connaissent ça. Même pas un comme ça. Si pas d'accord pour marque là, pas cache, pas un prix, sous côté, pas un prix monde pas, et pas un raquette, non, pas un ça. Donc, il y a un bon bénéfice qui dit, monsieur, c'est une grande famille, 11 ans, mais qu'elle a acheté pour lui. En tout cas, je me souhaite que ça va. Il doit limiter le salaire qu'elle a acheté. En tout cas, c'est enlevé pour nous enlever. C'est ça qui est important. Ok, c'est faux. En avance, le prochain crieur, nous rappelons dans le gouvernement de Katnil, ça là, il y a un élément qui a brûlé, avec un code dans la main, une trompette dans la main, un microphone, pour que les gens viennent adorer. Statue Nebuchadnezzar. Et dans le gouvernement antichrist en tout sous pouvoir là, il y a un monde qui a fait même bagaille ça, qui a assigné que au bail un pouvoir qui vient en main autorité aussi pour le les monde vient adorer bête là vient adorer antichrist vient posterner dans pile côté chita dans capitale Babylone. Côté il va afficher tête il y a sur Facebook là, il va afficher tête il là sur Instagram. Là. Ou vin ba like, ou vin ba love, ba ti souri. Devant l'image ou sur Facebook, média social là, del va gen ka, del va gen kont Facebook li, ou ba love li. Ou di ou amen, ki like. Donc le prochain crieur sera qui? Le faux prophète. Le prochain crieur, ce sera le faux prophète. Donc, combien de monde est d'accord avec ça? Est-ce que vous avez votre réponse? C'est vrai. Donc, c'est vrai. En fait, c'est complété, il faut compléter, c'est vrai. Donc, on est d'accord. Okay. C'est vrai. Le faux prophète. Le faux prophète. Exact. Il y a bien un mandat, ça, pour lui, et shout. Donc, nous avons fait gros cri pour dire, OK. Peut-être annoncé, comptabilisé. Ce que je veux savoir, bon, il n'a pas fait dans la rue, mais pour moi, il peut le faire. Avec technologie qui existe, annoncé ou bien notification Facebook, notification WhatsApp, notification Instagram, notification email, notification SMS, c'est l'heure d'adorer l'Antichrist.
Donc, il y a un crieur qui bat. Mais vous voulez causer qu'à venir. Dernier. L'image de la bête. Pourquoi? Où est-ce que vous avez cherché? Attendez. Les microphones sont ouverts dans le monde. On entend tout. Je ne vous dis jamais. Vous faites très attention. Je vais vous répondre les questions, mais vous êtes dans le monde. Vous êtes en médias. Vous êtes sur beaucoup de plateformes. On ne pourra pas l'effacer. L'image de la bête ressemblera à la première bête du chapitre 13. Vrai ou faux? L'image de la bête ressemblera à la première bête du chapitre 13. Vrai. Vrai. Vrai ou faux? On a les deux vrais, là. Donc, dans la question, ça, on profite aussi comme des petites notes. Peut-être ça, pour pas sûr, vous notez, vous dire, OK. Il y a un cahier. On. Même si à la fin ma boue et tout ça, ben nous pas mais au même constituer un cahier, une propre note, comme ça, ça va vous aider aussi dans la méditation, l'orgue pour prêcher, l'orgue pour enseigner dans d'autres circonstances. Tu vas faire ton cours. L'image de la bête ressemblera à la première bête du chapitre 13. L'image de la bête ressemblera à la première bête du chapitre 13. C'est vrai ou faux? On est d'accord? C'est vrai? C'est vrai? Il y a une question de quelqu'un qui a dit c'est vrai. Il y a un deuxième bien-aimé qui a couru ou bien qui a. Pas d'accord ou bien qui n'est pas d'accord? Sentez tout le monde d'accord? Tout le monde a dit, ok, c'est vrai. Et c'est vrai parce que et l'image de la bête, encore, quand on parle de la première bête, dans le chapitre 13 ans, il y a deux bêtes. Rappelez-vous, il y a deux bêtes. La première bête, là, c'est chef antichrist. La deuxième bête, là, c'est faux prophète. Là. Faux prophète, là, ça va faire miracle au nom du même dragon. Ok, c'est bien. Le petit rappel. Et question, bon, on est 30. Selon 2 Thessaloniciens, chapitre 2, Dieu enverra un esprit de consolation pour récupérer les chrétiens qui ne seront pas enlevés avec l'ennemi. Faux. Qui n'ont pas enlevé, qui n'ont pas enlevé, ou un esprit de consolation qui a venu vers nous. Là, tout le monde a les chrétiens qui n'ont pas l'église baptiste qui veut exercer, qui n'ont pas l'église baptiste. Ou bien l'église de ceci, cela. Et c'est qui parle avec l'église, vrai ou faux, il y a bien une belle consolation. La réponse est faux. C'est bon ange. C'est faux. C'est faux? Bon, ça doit combien faux? Tout le monde est d'accord? Sont seulement qui est d'accord. C'est un gros faux. Oh, c'est un gros faux? Oui, faux. Oh, d'accord, c'est faux. Donc, oui, c'est faux. Donc, encore, faux. Oui, c'est faux. Félicitations. Et oui, c'est faux. Et encore, si on a dormi au monde, vous allez la parole de Dieu, bon esprit d'égarement, qui vient sous vous. Et côté. Évêque, côté révérend, côté bishop, bon, bishop la ligue anglais, évêque la tout, côté ancien, côté diacre, ou bien dit qu'on en anglais, pas qu'on est, côté maman l'église, quand il y a des côté l'église, il y a maman, côté papa l'église, côté l'église, il y a papa. Qu'est-ce que ça soit, il faut enlever, pas qu'il n'y a aucun esprit de consolation. Il y a des gens qui ont prêché, encore, il y a des priorités sans qu'on enseignement. Oui, bon deuxième voyage. Mes amis, mes soeurs, ce sera la mer à boire. Ça va très amer.
Donc, pas que ça. Pas que ça. C'est tout le monde recevoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Non, seul coup de trompette. Tout le monde crasé, quitter ça. Nous ne quittons ni caille, ni machine, ni automobile, ni avion, ni satellite, ni sanguin, hélicoptère, ni sanguin, assiette, cuillère, gobelet. Pour nous quitter, yo, nan men est sous la terre, parce que quand il y a une crise économique, parce que quand pile moun kap doué la banque, qui pa fin paye hypothèque, pour jouer un moun pour bancaire. Moun pa fin paye machine, yo, pour jouer un moun qui pou fin paye machine. La men pari pa kite baye sa penat. Parce que, ap gen crise économique sous la terre. Ap gen moun ki travaille, ou pa jouer pour al travail dans CHSLD. Si grand moun gal malade. Une pandémie, la terre va le grand frappe, pas bien assez infirmière, pour le grand soin, l'église en la langue. Donc, pas de réconciliation, pas de consolation, au contraire, c'est l'œil et le respondent. Nous avons appris ça encore. Donc, selon Apocalypse chapitre 12, l'église, Israël sera protégé par l'éternel Dieu dans un désert pendant. Bon, tu mets que pour ça. Pendant 6 mois, c'est faux. Bon, tu mets que pour ça. Donc, c'est faux. Donc, ce n'est pas pendant 6 mois. C'est pendant 3 ans. Pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Donc, 3 ans et demi. Tu mets que pour ça. Ok. Ah. Nous mettons ça avant, question. Donc, qu'est-ce que nous pensons que nous là? La grande tribulation débutera immédiatement après la crise. Vrai ou faux? Vrai. Il y a un bien-aimé qui dit vrai, c'est ça? Faux. Il y a un bien-aimé qui dit vrai, bon, l'autre bien-aimé qui dit faux. Faux. C'est faux. C'est pendant la deuxième moitié. Faux. Donc, c'est faux. Donc, c'est pendant. Et début de deuxième moitié, dans 3 ans et demi, laissant arriver dans grande tribulation encore, ouais, ma place, donc cartographie ça encore, il est rentré dans la tête, non. Dans moitié encore, c'est les dragons drivés avec tout arsenal démoniaque, antichrist déclaré adoration dans le temple, dans Daniel 9, là, déclaré adoration pour voir l'homme, il est tout pouvoir en main, le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir religieux, le pouvoir militaire en main, les salles ouvrent les lits et puis patron la terre, il dit ok. Israël. Oui, il va battre avec Israël. Donc, c'est ça. Moi, c'est mon pourquoi c'était la dernière question comme toi, d'être bon. C'est ça, grand troisième. L'Antichrist aura à la fois un pouvoir économique. C'est un pouvoir. Un pouvoir religieux. L'Antichrist aura à la fois un pouvoir économique, un pouvoir religieux. Un pouvoir politique et un pouvoir militaire. Vrai. Vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Tout le monde d'accord. Ouais. Donc, et c'est tout ça que nous étudions. Donc, pourquoi que et rafraîchissement, ça que nous faisons, hein, et l'ensemble de tout ça que nous faisons, c'est une puissance qui a prêté dans. Donc, merci pour nous-mêmes. Peut-être pas on est qui quantité, alors combien de monde et qui sur les 33 questions, combien on devait afficher. Est-ce que nous viennent 10, est-ce que nous viennent 11, peut-être ça permet à ce que nous évaluer nous aussi par rapport à tout ça que nous tendons pendant tout le jour passé. Avec tout ça qui est délivré, je sais que ce n'est pas un livre facile. Et moi, fais nous, moi, présenter tout compliment à nous-mêmes. Parce que et, même si tu as une 7 questions, c'est bien. Ça a une 7, fais plus d'efforts pour capable d'avancer plus. Nous ne sommes pas les mêmes, et même force, même mémoire aussi. Il y a plus de mémoire.
gen tout pa gen menm mimwa. Tout pa gen menm fokus sou nou deyon kamera, deyon mikrofon, se pa menm bagay yon nan klas fizik. Donk, se bien. Donk, se pa an liv ki fasil, men, bon Diyo fè aske nou sezi e pote liv la. Nou antre la dan li. E se di pa fasil men nou men, bon Diyo ran ke nou kompran ansambla men le minimum. Sa ki genye l'esensyel di anseyman pou fè nou grandi dan la parol e pou nou konen posisyon nou an Christ e posisyon nou kom kretyen ki atan nan le retour de Jésus-Christ pou nou ka repon a certain kestyon. Donk, e mpa konen ki es se ki jwen tout kestyon yo, se kon ki jwen tout, se kon ki jwen 28, 29, e pi set espri... 23 sur 33. Konbyen ou jwen? Combien? 23 sur 33, 69%. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. 23 sur 33, 69%. Oh, gloire à Dieu. C'est excellent parce que livre Apocalypse, c'est beau. Un élève qui fait 23 sur 33, c'est un bon élève, c'est un bon étudiant. Un bon étudiant. Si il y a un autre 23, si il y a un 20, c'est qu'on dit sur 33. C'est encourageant comme ça. 23 sur 33. Combien? 21? 21. 21 sur 33. C'est bien, c'est bien. Parce que, comme on dit, c'est pas pour un bulletin, bah non, mais ça peut être parce que nous rafraîchissons encore. Et c'est tout le temps, on a retourné sur le lit jusqu'à ce que, même bon, on commence à lire pour comptoir après ça, ou lire pour comptoir après ça, et puis on va faire d'autres recherches, cet esprit va ouvrir les yeux. Hein? Dans notre bien-aimé qui font 20 sur 33, mais qui font 18 sur 33, moi, si je ne fais pas de la, qui fait 17 sur 33, ou bien 16.50 sur 33. Donc, en tout cas, on met avec le Saint-Esprit de Dieu, et c'est un grand professeur, non? Il a signé le coup. Hein? Il y a un micro qui est ouvert, il faut fermer le micro, sinon c'est le micro qui est ouvert. Donc, il ferme le micro. Ok, donc nous allons continuer avant et nous allons entrer dans Babylone, nous. Et. Bon, j'ai fait ça, en temps, il y a beaucoup de bruit, certaines personnes. Donc, là, j'ai fermé le micro parce que nous dehors. Parce que les micros ouvrés pour répondre, c'est bien. Interaction, ça, c'est après une bataille avec question, toute question. Mais là, nous faisons lire, ça a quand même aidé, c'est bien. Mais pour nous aussi, aider pour ne pas sauter trop de bruit sur les médias à l'extérieur. Donc, nous allons continuer avec enseignement dans le peu de temps qui reste. Donc, moi, j'espère que. Et nous tous qui branchés, qui suivent enseignement, Timos, nous va prendre. Peut-être que si il y a d'autres questions, après, on va toujours poser, pas gêner, vous poser, si vous n'avez pas fait une claire, si vous avez un bouillard, et vous avez un trou, vous avez un bail, vous avez une yes, toujours poser des questions, peut-être numéro, vous avez oublié le numéro, on m'a rappelé tout à l'heure. Nous-mêmes. Bon, nous tournons encore dans ça va faire une reconnexion avec le pouvoir politique de l'Antichrist et aller vers Babylone, vers la capitale. Après, je vais partager cet écran. Donc, oui, bon, je vais rappeler que je vais rappeler le numéro, c'est sûr que. Il y a un monde qui s'appelle, il y a un numéro, pareil, qui est passé, c'est comment. Et le numéro encore, c'est 514. Tout notre numéro, parce que des fois, on ne connaît pas sur les numéros. C'est une carte textée, facile, qu'on a développé. 514-207-97-63. 514-999-42-63. OK. Donc, laisse continuer. Donc, nous
pral surtout ouais à donc tu vois les séquences là dans le comité il nous a eu le dernier set là nous fait comparaison donc sur politique et gouvernement qui pral conduit non à siège sur ça là c'est pral Babylone et qui pral restaurer donc fort dans aussi un temps et dans prochaine séance pour exposer Babylone sous différentes facettes. Il y a un peu le côté politique chez Nebuchadnezzar et depuis dans l'origine en avant, dans la racine babylonienne avec tout ça qui est impliqué dans le développement, yo, où les idées et les pensées vont siéger pendant le gouvernement. Donc, le chapitre 17 là, nous y est toujours, le chapitre 13, le chapitre 17, y est. Donc, dans le texte, quand il parle, dit c'est ici au verset 9, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse, les sept têtes. Il parle dans le texte que nous dit, ouais, sont les sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Donc, la femme qui est la prostituée, le cœur des démons que M. Pral explosé plus tard. On n'a pas retourné sur ça. Et encore Babylone, une puissance politique. Hein. Donc, et sept royaumes, si vous me rappelez encore, on ne va pas poser que dans sa soirée, mais je vais vous rappeler pour nous. Et sept rois, ce que sont vraiment assis, sept têtes, sept images, hein, qui parlent de sept modes de réflexion dans le capitalia, et en fait, qui parlent de la terre même. Bien, image l'Égypte, soit la Syrie, mais des fois tous les sept, bien Babylone, les Mèdes, les Perses, la Grèce, Rome et l'Antiquité. Donc, 7000 ans. Et aussi, c'est cette image qui en un sous-politique qui a affiché bah, où les empereurs romains. Et au matin, on a. Je ne vais pas entrer trop profond, mais ça peut être intéressant et que nous allons l'analyser. Et politique chez Jules César, la façon de faire de Néron, la façon de procéder de Domitien. Mais en résumé, si nous sommes tous dans le même panier, nous avons tous gagné un grand mandat. Détruit, travail pour le monde des ténèbres. Et puis, surtout au premier siècle, les chrétiens, après la fondation de l'Église, dévorés. Donc, et ces mêmes mandats, ça vient de continuer. Peu importe la façon que j'ai tout c'était criminel, c'était des criminels, des dictateurs criminels. Donc, image que M. Sarrault pour acheter dans la structure politique. Là. Donc, encore, ce ne sera pas la démocratie, ce n'est pas le système socialiste, ce n'est pas, et, comme on dit, système droite, gauche, gauche, droite et gauche. Centre droit, non, c'est purement un gouvernement criminel. Donc, son résumé surtout politique, là, côté de Zapachita, là, dans Babylone, côté de Zapachita, un mot, c'est un sépral, c'est la synthèse, ou bien la fusion d'un groupe criminel qui ont dirigé l'humanité, dirigé le monde qui cache en dans seule personne. Il est même investi de toutes les puissances des ténèbres. Donc, c'est. Il y a une question. Une question, laisse-moi regarder la question. La question dit que. Attendez, frères et sœurs, il y a une question, laisse-moi regarder. Il dit, est-ce que les 10 rois recevront autorité en même temps, l'un après l'autre? Oui, c'est en même temps, c'est les 10 rois. C'est les 10 rois, et la réponse, c'est de ces 10 rois à recevoir autorité, c'est basé, même, c'est calqué sur la pensée grecque. Peuple a été voté en même temps, 10, et les 10 militaires, vous rappelez, les 10 gouverneurs dans le dimanche passé. C'est en même temps. En général, on va renouveler les sénateurs, les renouveler, enfin, c'est un tiers, c'est moitié, et renouveler en même temps. Toujours gagner les hommes, mais dans un premier temps, ça a commencé une fois pour toutes, ça a été
50 membres ou bien 200 membres dans le Parlement, dans le Congrès, c'est le peuple à voter pour rentrer, pour siéger. Donc, il va siéger en même temps. Il va siéger en même temps. Donc, oui, Bachita, il va siéger en même temps. Donc, OK, laisse-moi continuer. C'est en même temps. Donc, on te rappelle ça. Dans l'élection, les 10 ans, l'image explique ça très bien. Donc, la corne, les cornes qui symbolisent l'autorité et la force encore. Donc, maintenant, la question que peut-être que nous dérivons et que nous allons continuer avec nous, c'est l'espace Babylone qui sera la capitale du monde. La capitale. Ce ne sera plus, ce ne sera pas Washington, ce n'est pas Ottawa. Bon, on va vous parler de Port-au-Prince, mais c'est perdu de temps. Ce n'est pas une grande ville ni Paris. Donc, c'est Babylone encore. Donc, nous allons prendre le temps pour nous expliquer ça, pour nous comprendre. Et pour ne pas mélanger Babylone du point de vue religieux que monsieur yo, pral trahi, pral détruit par rapport avec l'espace capital physique que le chef de l'Antichrist pral siéger. Tu pral gagner tout un espace de richesse et de luxe et pral faire commerce avec la terre. On a appris que nous tenions un chapitre 18 ans, côté que le détruit et Babylone. Monsieur, il y aura le plein, il y aura le roi de la terre, il n'y aura pas faire commerce ensemble avec. Donc, ma prête là, je ne vais pas aller un peu avec un boomerang à chérie. On va retourner maintenant, dis-moi si tu veux, on va asseoir. Donc, connecter ensemble, résumer le fait à soi, et puis on va à l'aise, comme ceux que moi, pas perdu non, connecter et capable d'enseigner. Expliquer là les racines babyloniennes depuis l'origine jusqu'à ce que Antichrist en lui-même du coup siéger prendre comme capitale. Donc que mon Dieu bénisse nos frères, nous disons merci pour écoute-nous et nous saluons toutes frères et sœurs auditeurs auditrices encore, nous saluons toute l'équipe en multimédia et qui a fait un travail hein, ce soir et Frère Bergelo, Frère Eric, Frère Emmanuel et tous les autres qui sont ensemble dans le studio, qui a travaillé et qui a modernisé, qui a mis des technologies à terre pour nous, pour que l'humanité et l'autre bien-aimé à distance capable de partager et joindre formation, enseignement que nous avons distribué. Et nous saluons tout auditeur qui est sur radio, hein, radio Voix de la Prophétie, qui ensemble ont été branchés ensemble avec nous, qui sont fidèles. Que mon Dieu bénisse, que Saint-Esprit qui est le plus grand enseignant, le plus grand professeur, dans le livre ça qui m'a dit, un discernement avec à l'aide du Saint-Esprit, capable de saisir davantage et grandir dans la foi. Le mandat nous, c'est pour nous grandir dans la foi, grandir dans l'enseignement, et enseignement ça, prenons, notez, ou lire encore, faire la Bible en amis. Parce que yo échappé yo dans mauvais jour dans mauvais temps yo mais on va venir semence ça que nous kembe dans cœur nous que nous apprendre il va servir à nous tout net pour tout net. Priez une pour l'autre, priez pour chaque monde qui met mais on travers ça, priez pour toute l'équipe dans ce ministère de multimédia, priez pour chaque bien-aimé les diacres, pasteurs, tout le monde parce que nous moyen le trône de Satan directement et priez pour moi aussi spécialement pasteur allez-y. Les noyés lui ça nous mène le trou même des démons. Donc bon Dieu blinde nous, qu'il couvre nous, maison nous, famille nous au nom de Jésus. Amen. 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 Nous dit bon Dieu merci pour moment étude de parole. Bon Dieu, pas oublier que parole là c'est une nourriture pour nous. Non? La main du pasteur est toute capable de terminer pour nous à la gloire de Dieu. Parce que j'ai tout capable de terminer pour nous à la gloire de Dieu. Oui, tu es digne de régner,
dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia. 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 N'a dit bon Dieu merci ensemble pour le moment que nous t'es passé. Ensemble pour nous n'a pas wali. Dis merci et pour le bano force et courage pour continuer semaine là et pour nous capable rejoindre encore dimanche pour même étude là. Dieu Tout-Puissant. L'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, le premier, le dernier, après, ou pas gagner le temps encore. Nous remercions le Seigneur pour la période ça que nous avons passé ensemble, pour le moment de révision ça. Nous réaliser c'est au bon Dieu. Nous réaliser c'est au même qui mettait engouement dans la vie chaque petit ouyo qui était là, soi, qui t'a essayé. Et répondre, Seigneur, qui s'est apprendre pendant le temps que nous avons passé ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. Nous disons merci pour chaque petit ouyo qui t'est intéressé. Nous disons merci pour chaque petit ouyo qui t'a intelligence, compréhension, discernement, pour être capable de rappeler aux paroles. Nous disons merci pour ça, Seigneur. Dans le moment, c'est là nous avons levé, parce que allez-y devant, qui t'a préparé, questionnaire, qui prépare l'étude, l'enseigneur, nous devons toujours, les forces, encourager, les discernements et compréhension, les plus, même gens avec auteur qui t'a chanté, livré ou plus dans la ville. On va aller plus dans la ville, même à toute famille, on va bénir, on va protéger, on va garder, et en retour, on va glorifier. Bénir chaque petit tout, Seigneur, qui nous pourra les séparer et nous demander où ta compréhension. Nous demandons, on va bailler la vie, on va bailler force et courage pour passer à travers cette semaine. Nous ne connaissons pas ce qui a gagné, nous ne connaissons pas qui nouvelle qui va arriver, mais nous connaissons toutes choses qu'on court au bien de ceux qui aiment Dieu. Avec nous, dans le nom de Jésus, à lui seul soit la gloire. Au siècle des siècles. Amen. Pasteur Jacob, dans la bénédiction. Bon, nous offrons pour la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. Que vous bénissez. Merci beaucoup. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. Reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are 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 great. Oh yeah. You are great. Say you are great. You are great. Say you are great. You are great. Everything.